C'est peut-être pas si con ce que j'ai fait. Bon, c'était pas le bon côté, certes. Merde. Mais je veux passer. Voilà, easy. Normalement, là, on est bien. Bon, faut toujours que je fasse le tour, mais on est bien. Ah, ta mère! Ah mais putain, je suis con. J'ai trop décalé. Je crois que j'ai trop décalé. Ah quoi que. Non, si je suis con. Vous pouvez le dire, je suis un peu débile. C'est dur, n'empêche. Venir me déranger qui. C'est l'arbre Yoda! Attention, Kuro! Il a l'air particulièrement dangereux! Compte sur moi, Kuro! Je vais mettre toutes mes forces dans cette bataille. Ah, peut-être qu'il faut le geler. Attendez! Il s'agit certainement du gardien de la forêt! Et dire qu'on a failli le tailler en copeaux! Nous vous présentons nos plus sincères excuses, monsieur le gardien. Je ne sais s'il peut nous comprendre. Il ne semble guère en bonne santé. Essayons d'utiliser l'alarme de Sylve. Ah, ça y est, il sourit. Vous, de l'influence néfaste des Salistas, m'avez guéri. Merci à vous, jeunes gens. Je suis ravi que vous soyez guéri, gardien de la forêt. Les gardiens que nous avons rencontrés avant vous étaient plutôt agressifs. Vous récompensez, je dois. Malheureusement, peu de choses je possède. L'oracle nous a dit que les magies vous avaient confié un fragment de la clé magie. Oui, ce fragment je possède. Et vous le confiez, je vais. Bon usage, faites-en. Car dangereux, il est. L'arbre Yoda, quoi. Nous tâcherons de nous en rappeler, vénérable arbre Yoda. Et vous avez obtenu le fragment de la nature, l'un des 5 fragments de clé magie. Cependant, triste je suis. Vous, de ce bosquet sacré, êtes désormais prisonnier. Prisonnier ? Pardon ? Mais pourquoi ? Les Salistas, le bosquet sacré ont envahi.
Les étrangers s'échapper ne peuvent. Mais c'est affreux! Pas question que je reste coincé ici! La force, je sens en vous, jeunes gens. Putain, mais sérieux! La force. Peut-être vous aider, elle pourrait. Elle? Mais qui donc? Peut-être que la trouver, vous pourrez. Mais sûrement, elle vous trouvera. Il y a une façon étrange de parler. Il faut qu'on la trouve, Kuro. Je veux pas rester coincé toute ma vie ici. Je me demande bien de qui vous voulez parler. Et bah moi aussi, hein. Ta mère. Est-ce que je peux arriver à suivre la... Oui! Le skill, messieurs dames. Grâce. Le skill quand je vois ce qui m'arrive, hein, parce que c'est vrai que les ennemis qui se cachent dans le décor, c'est plus compliqué. Moi je suis pas bon à League of Legends de base. Un pot de miel? Non. Comment elle est bonasse? Hey! Et pourquoi tu me réveilles? Je dors depuis à peine 12 ans. Laisse-moi me reposer tranquille. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Et d'abord, t'es qui au juste? Quoi? Tu es venu chercher le truc magique? Et maintenant t'es bloqué dans le bosquet? Mais quel imbécile, il fallait pas venir ici! Comment? Tu sais pas comment détruire les sadistas? C'est pourtant simple, suffit de demander à un troncodile de les cramer. Quoi? Et tu sais pas parler aux monstres de la forêt? C'est vrai que vous, les humains, vous êtes carrément limités. Mais vous avez de la force. Ces gros fainéants de troncondis ne veulent jamais se bouger. Et toi, t'arrives à les pousser, je t'ai vu faire. Alors voilà. Voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qui va se passer. Je vais t'aider à causer un troncodile. Et toi, tu vas m'aider à cramer les sadistas. Après tout, t'as aidé le vieux. Alors je peux bien faire ça pour toi. Ça te va? Oui, Navi. Mais je ne me suis pas présenté. Naoui. Ah non, mais complètement. Il vient pas te plaindre que je parle trop. Ah, stylé! Ne bougez pas. Ok, bon. Il faut casser les... Ouais, il faut quand même casser les plantes. Ah, ça marche bien. Alors, je vais passer de l'autre côté, voir s'il n'y a pas des trucs. Espérons pas me faire cramer la gueule. Non, c'est bon. Ok, bon, maintenant on a quand même un gros avantage, hein, on va dire ça comme ça. Du coup, est-ce que tu peux aussi cramer eux? Oh, c'est pétri. C'est pété. Ah, on peut te tuer, toi. Non? Tous ces coffres que j'aimerais défoncer mais que je ne peux point. Ta mère la pute. Évidemment. Bon. Hey
encore une autre époque. J'avoue être un peu paumé, mais il y a un coffre là. Oh. Bon. Ah bah d'ailleurs, j'ai oublié un truc. Du coup, là, les coffres, ils sont... Eh oui. Ils sont dispatchés en fonction des... Oh, ta mère. En fonction des coins du temps. Ah, mais je t'avais pas vu, toi. Vous avez grandi, les mecs. C'est-à-dire que là, il y a un coffre. Oh, mais c'est pas le bon. Alors, si je passe là. Mais là, c'est pareil, je suis baisé. Voilà, je suis baisé. Ok, donc tu dors, tout va bien. C'est vrai que ça marche pas dans cette époque. Compliqué. Honnêtement, j'ai du mal à savoir ce qu'il faut faire. Putain, mais... Ah, je vois pas. Thank you.
Une gelée verte, c'est bien, on s'en fout. D'accord, ok, ok, ok. Moi, je veux bien, mais... Ok, bon, la tomate, c'est fait. Attendez, je suis perdu là. Est-ce qu'il y a moyen de passer par là? Non. Ah, ou peut-être que si. Non. Là, bon. J'ai quand même l'impression d'être un peu baisé. Est-ce que je peux aller chercher l'autre là-bas? Ou est-ce que c'est trop loin? Ça passe? Ah bah ça passe en fait. D'accord. Je me suis fait chier pour rien. Par contre, j'ai pas eu la tomate. Normalement, c'est bon là. Je vais pouvoir traverser. Faudrait que je décale le truc aussi. Ça. Le troncodile apparemment ça s'appelle. Casse-toi. Toi du coup pareil. Voilà, comme ça on est bien. On est bien. La galère à passer en fait. Ça va être la galère. Là. Ce n'est pas par là. Ni par là non plus. Donc faut prendre l'autre truc encore. Ah merde, c'est dans l'autre dimension. Ça devient compliqué. Mais c'est encore plus la baise, non? C'est plus la baise, mais il y a un coffre.
Ah oui, on peut passer comme ça aussi. Effectivement, ça marche. Donc toi, on va te buter comme ça, tout va bien. Mais toi, on va te buter comment? Parce que... Là, je vois pas, quoi. Je vois pas et ça m'embête un peu. Ah mais on va pas le buter, on va passer en bas. J'ai bon. Donc là normalement on a Clochette. Parce que je vais l'appeler que enfin Naoui. C'est comment? Par en haut? C'est ça. Bleh! Voilà, tu te décales. Comme ça, moi j'ai rien. Ah, c'était ça le fameux pont. Est-ce qu'on n'a pas d'autres trucs à choper entre temps? Tant qu'à faire, hein. Faut pas s'embêter. C'est grand ici. Il a l'air d'avoir genre rien. C'est assez fou. Bon, on va reprendre l'autre truc et on va se barrer. Parce que j'imagine qu'en fait c'était par là qu'il fallait se barrer. Ouais. Mais là, elle peut pas passer. Pas une map? Non, évidemment. Ah. Bah oui, non, c'est pas par là. Forcément. C'est compliqué là, c'est...
C'est un peu le temple de l'eau quand même. Ok, un sadistas à ma gauche, mais je crois qu'il y en a un à droite aussi, un du début. On a réussi, Kuro. On est presque sorti du bosquet sacré, il ne nous reste plus qu'à retourner dans notre époque. Ah oui, sinon on peut se barrer, effectivement. Je pense que c'est pas exclu. Ouais, voilà, on se casse. Les filles comme moi, elles peuvent pas vivre dehors. C'est une question de physique quantique. Je peux pas être dans tous les temps. Il y a plusieurs espaces, à la fois apparemment. C'était pas mal, tout en est bien sorti. Il reste encore des salistas dans la forêt. Mais j'imagine que vous avez pas que ça à faire. Revenez me voir si vous voulez. Ciao. Ok, il reste 3 salistas. Ouais, mais je m'en fous en fait. Moi, c'est pour les fragments du temps, le reste. Tu as bien entendu trouver le fragment de la clé magique, Kuro. L'heure du choix approche. Des bisous. Ok. On va sortir, alors. On va partir déjà. J'aimerais bien aller retourner au truc de Viking. Là. J'imagine que c'est certainement un des fragments de toute façon. J'ai découvert le fragment de la nature. J'aimerais moi aussi pouvoir me retirer du temps comme les Sylves. Cela doit être agréable de vivre pour toujours dans un présent éternel, mais je n'en ai pas le courage. Je dois accomplir mon destin au préalable. Viens me parler si tu cherches d'autres informations sur les fragments de clé magique. Non, ça va. J'imagine qu'on va être pas trop loin de la fin du jeu en plus, vu le genre de quête que c'est. Et on se casse. Ah voilà, c'est par là. Alors, bon, le Magilite, déjà. Truing. Alors, le présent, c'est bloqué. On va essayer de passer, alors. Village viking. Salut. Il y a rare de voir des étrangers ici. Vous êtes arrivé par le tunnel sous l'océan. Vous n'avez pas des têtes de troll pourtant. Quoi? Bonjour, est-ce que vous vendez des armes?
toi tu vends des armes. Vous serez pas considéré comme un guerrier Viking avant d'avoir terminé votre stage d'initiation, et nous ne vendrons nos armes qu'aux véritables guerriers. Ok. Des bisous. Nous autres Vikings sommes nés pour combattre et vaincre. Vos enfants s'entraînent dès le plus jeune âge pour devenir de grands guerriers. Seuls ceux qui sauront montrer leur courage à la grande tortue obtiendront des les vies infinies. What? Les vies infinies? C'est stylé. Salut. Oh, un coffre. C'est pas un coffre. C'est une table. Je supervise la suite des travaux de construction du tunnel. Il faut faire attention à ce qu'il s'écroule pas. Nous perdrions des années de travail. C'est pas faux. Mais c'est ça votre village? Y'a rien d'autre? Ah si. Salut. Les hérétiques ont un jour affirmé que la grande tortue ne portait pas le monde sur son dos, mais habitait au fond des océans. Au fond des océans, avec les poissons. Nous les avons tous massacrés. Les dieux nous ont laissé faire, ça veut dire que nous avions raison. Comment contrer un tel argument? C'est Balin, le fils de Fundin, fils de Farin, fils de Borin, qui a lancé la construction du grand tunnel. C'était un visionnaire, il a compris que la grande tortue reconnaîtrait notre courage si nous massacrions tous les habitants du continent. Sans le grand tunnel, jamais nous ne pourrions sortir d'ici, les montagnes de glace sont infranchissables. Qui toi? Solid Snail! Vous ici? Quelle coïncidence! Après votre spectacle à l'évasion du Colisée, j'ai été licencié. Je dois vous avouer avoir traversé cette courte période de dépression. Merci! Et finalement, grâce à vous, j'ai trouvé ma voie. J'ai décidé d'explorer le monde et de rapporter mes récits de mes voyages à la bibliothèque impériale. Ce sera l'œuvre de ma vie, les voyages de Largo le Grand. Ouais. C'est cool. Les générations passées à entraîner notre corps et notre esprit, notre peuple est enfin prêt. Nous avons déjà terminé la première étape du tunnel sous l'océan, et bientôt nous serons reliés au continent, et alors nous pourrons tout envahir, piller, massacrer. Cool. Tout un programme. Vous pouvez vous inscrire au tournoi Viking annuel? Ouais. Oh, salaud! Mais il y a un point de sauvegarde, et ça c'est quand même super cool. Mais il y a un coffre aussi, et ça c'est super cool. Oh bah c'est super ça, de la manne. Et donc un point de sauvegarde, parce que bon, je vous avoue que ça fait 2h, quasiment 2h20 que je tourne, donc je vais peut-être m'arrêter là. Ça a sauvegardé, je sais plus. Ah, je sais plus. Et où le chef? Donnez-moi, où est le chef? Le chef. Est-ce que c'est la maison qui est gardée? Allez au comptoir. Putain! Le comptoir de où? Toi. Bordel de merde. À qui j'ai pas parlé? Certainement à plein de mecs, hein, mais... Non, toi c'est fait. Toi je t'ai parlé. Toi. Dans notre pays était entièrement couvert d'eau. Ah. D'accord. Bon. Et où le chef? Ça serait celle-là? Genre une maison banale? Salut. Ouais. Oui, je veux passer par le tunnel. Normalement, seuls les Vikings ont accès, mais si vous voulez aussi prouver votre courage à la grande tortue, je ne peux pas vous en empêcher. Je vous donne mon autorisation, allez vaincre les trolls et vous pourrez peut-être vous inscrire à temps pour notre tournoi annuel. Parfait! Mais il est où le tunnel? Ah, je suis con, il est en haut, il y a deux gardes devant. Merci, au revoir. Un point de sauvegarde. Voilà, et là on va s'arrêter là parce qu'il faut pas déconner. Donc je vous fais des bisous et à la prochaine. Bye.